Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer comment on peut équilibrer ou pondérer une équation chimique, mais cette fois-ci en posant des égalités. On est sûr de ne pas se tromper. En fonction de la loi de Lavoisier, nous savons que nous devons avoir autant d'atomes ici de carbone dans le premier membre que dans le deuxième membre. Pareil pour chaque espèce atomique. Donc en fait, on doit trouver un coefficient ici, là, là et là. Plutôt que de mettre un chiffre, nous pouvons mettre un petit a, petit b, petit c, petit d. Donc, si on regarde les atomes de carbone, on en a 3a est égal à 1c. Si maintenant je prends les atomes d'oxygène, on en a 2 fois b et 2c et 1d. Pourquoi? Parce que nous avons ici un atome qui est tout seul. On continue. Si je prends le cas des atomes d'hydrogène, nous en avons 8 fois A. On regarde de l'autre côté, il y en a 2D. On a une troisième égalité. Je peux continuer. Alors, oui. Alors, on va supposer que A est égal à 1. Donc, 3 fois 1 est égal à C, donc C est égal à 3. On continue, on remplace dans cette égalité ici. 8 est égal à 2 fois D, donc D est égal à 4. Alors, j'ai été un petit peu vite. Il manquait une égalité avec B. Donc, je prends l'égalité avec B, je remplace. Donc, ça fait 2B est égal à 6 plus 4. Donc, 2B est égal à 10. Ça veut dire que B est égal à 5. Maintenant, je remplace. Ce qui veut dire qu'ici, A c'est 1, A c'est 1, B on a vu c'est 5, C c'est 3 et D c'est 4. Vous pouvez compter chaque espèce d'atome, on a autant d'atomes de chaque élément dans le premier membre et dans le deuxième membre de cette équation. Lavoisier est content. Merci, au revoir.